Sandrine face à Diane Kruger. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Diane Kruger. Welcome, bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Clic-clich, Suzanne, je suis enchantée. Happy to see you, bleiben, restez, stay. Welcome, bienvenue, welcome. In, c'est à vous, chez, c'est à vous, tout, c'est à vous. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Quand j'étais petite, als ich ein Kind war, on m'avait dit « Sandrine, tu as l'oreille musicale, fais donc allemand première langue. Et tu verras, ça va te servir toute ta vie. Tu pourras te débrouiller dans tous les pays du monde. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Argentine, l'Uruguay. Plus tard, tu pourras même travailler chez Krups, chez BASF, Die Badische Aniline und Soda Fabrik. Oui, schön. En plus, tu seras toujours dans les meilleures classes. Et surtout, en allemand, tu auras Madame Pérez. Conchita Pérez. Elle est super comme prof d'allemand. Et voilà. J'ai pris allemand première langue. Au total, j'ai fait 7 ans. 7 ans d'allemand. 4 ans avec Madame Pérez, 3 ans avec Monsieur Ramirez. Et c'est comme ça que je fais partie de cette génération de gens qui ne parlent ni allemand, ni anglais. Contrairement à vous, Diane Kruger, qui êtes trilingue, il faut dire que vous êtes née en Allemagne. Sie sind in Deutschland geboren. Et ce soir, j'aimerais que nous expliquions à nos téléspectateurs tout ce que la culture germanique a apporté au monde, en plus de vous, bien sûr. Par exemple, en quoi cette phrase de Franz Grillparzer symbolise le romantisme allemand au sens goethien du terme « Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft », que je traduirai approximativement par « La jalousie est une passion qui poursuit avec ardeur l'œuvre de la souffrance ». Et là, Babette, voyez, on est vraiment dans Goethe. On est ballotté dans les tourments de la passion, le jeune Werther, tout ça, etc. Le Sturm und Drang, quoi. Le Sturm und Drang, si bien exprimé par Patricia Kaas à la fin du 19e siècle. Je cite « D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances ». D'Allemagne, où j'écoute le rock en silence. D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face. Où j'ai des souvenirs d'en France. Lenin Platz et Anatole France. Au Wiedersehen, Lili Marlène. Alors, dans votre cas, Diane, ce soir, ce serait plutôt Lili Marlot. Hélas. 3 minutes, c'est court, nous devons déjà nous quitter. Merci au service public de m'avoir permis de parler du Sturm und Drang à 1 heure de grande écoute. Oui. C'est vrai que c'est fort. C'est pas tous les jours. Eh oui. Wiedersehen, à bientôt, see you. In, c'est à vous, chez, c'est à vous, tout, c'est à vous. Bravo, bravo, bravo. C'était bien Goethe dans le texte, là. Ouais. Vraiment, je suis impressionnée. Bravo. Donc ça n'a pas servi à rien, c'est cette année. Mais non, c'était pour ce soir, c'était pour la Et ben voilà, toute une vie pour ça. Exactement. Et ça va le coup, hein. Mais oui, des fois, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on le comprend un jour. Et ben voilà. Il était temps, Sandrine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Avec plaisir.